Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 30 de Coin du Blu-ray. Épisode 30, donc toujours sous le signe de la lettre N. Donc, comme j'évoquais la dernière fois, la lettre N, j'ai pas forcément grand-chose. J'avais évoqué que j'avais Nerve, qui est un film que j'apprécie, comme j'avais dit la dernière fois. J'ai également Nicky Larson, dont j'ai hésité à vous parler, mais où je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de grand intérêt et qu'il valait mieux parler d'un film que j'avais jamais chroniqué sur la chaîne. Et donc, du coup, on va se repencher sur un réalisateur français qui aujourd'hui a plus forcément la cote, mais qui, à une époque, l'avait bien, et s'était permis de faire un film assez audacieux, que personnellement j'aime beaucoup. C'est pas son meilleur dans cette période-là, mais je trouve que c'est un de ses plus cool. Et clairement, ça lui a servi de base pour faire un film dernièrement qui s'appelait Anna, qui lui, pour le coup, était pas extraordinaire. Mais donc, à une lointaine époque, Luc Besson nous avait offert Nikita, qui reste quand même un sacré bout de cinéma français, extrêmement fort, extrêmement prenant, avec un personnage de femme forte rare, en la personne d'Anne Parillo. L'histoire, c'est un braquage qui tourne mal. Il y a une tuerie, et Nikita est la seule à se faire capturer. Elle est condamnée à la prison à vie, mais une opportunité va se présenter à elle pour se racheter. L'histoire est simple. Mais c'est souvent le cas chez Luc Besson. Vous l'avez compris, Luc Besson, c'est quand même pas un mec qui va faire des scénarios tortueux avec une réflexion humaniste profonde derrière et qui va réussir derrière en plus à nous greffer quelque chose qui va amener de la profondeur ou quoi que ce soit. Non, c'est plus un mec qui va se contenter de se laisser porter par une histoire et de se laisser porter par un personnage et de voir ce que ça va donner. Clairement, Nikita est un de ses films les plus radicaux. C'est un film qui va au bout de son ambition de base et qui réussit du coup à construire quelque chose que je trouve extrêmement impactant. Nikita, c'est pas un film devant lequel on va être estomaqué par la maîtrise de la mise en scène de Luc Besson ou par la maîtrise de l'écriture. C'est un film devant lequel on va être surtout pris parce qu'il y a une vraie ambiance, parce qu'il y a une vraie tension, parce qu'il y a quelque chose qui se dégage finalement de toute l'œuvre. On peut parler de la musique d'Eric Serra. Eric Serra qui arrive à composer ici quelque chose de absolument perché comme bande originale, mais qui est dans la pure veine de ce qu'il a pu offrir sur Subway ou sur Le Dernier Combat. On peut parler de Anne Parillo. Anne Parillo qui est juste exceptionnelle dans le film. On peut parler de Jean Reno qui est vraiment l'acteur fétiche de Luc Besson dans cette période et qui livre là une prestation juste parfaite. On peut parler surtout aussi de Checky Cario qui est vraiment excellent lui pour le coup et qu'il est vraiment l'une des performances de sa vie, je pense. Mais au fond, tout ça participe à construire quelque chose de plus grand. Plus grand parce que derrière, on sent que Nikita est porté par, comme je l'évoquais, une ambiance. Quelque chose qui plane tout du long du film et qui arrive à l'embarquer dans une direction que je trouve assez fascinante. C'est un long métrage devant lequel on ne peut pas juste rester simplement en se disant « Ouais, c'est un film un peu d'espionnage avec une femme forte et puis il y a de la violence et puis elle est dépassée par tout ça ». C'est plus que ça. C'est un film qui réussit vraiment à porter son héroïne de bout en bout, à faire en sorte qu'elle ait un parcours assez hors norme, à faire en sorte que derrière, le spectateur soit réellement impacté par tout ce qui se passe à l'écran, à faire en sorte qu'il y ait un poids. On ressent vraiment un poids qui pèse sur les épaules de Nikita tout du long du film. C'est tous ces petits éléments-là qui font que je trouve que Luc Besson arrive à amener un petit plus à son métrage qui emporte vraiment celui-ci dans une direction fascinante. Parce que derrière, on pourrait simplement se dire « Ouais, c'est encore une énième histoire racontée par Luc Besson, et puis, comme dirait Mosinor, c'est sa roulette qui lui permet un petit peu de faire des scénars un peu barrés, genre là, une espionne qui va péter la gueule à des autres agents secrets, enfin, et puis voilà, on fait tourner la roulette, et puis ensuite on a un taxi qui protège des putes en banlieue. » On pourrait parler de ça, mais derrière, ça serait oublier que Luc Besson, c'est quand même un mec qui a toujours été capable de distiller quelque chose de particulier à ses films. Certes, aujourd'hui, il n'y arrive plus vraiment. Je trouve que Valérian, même si c'est impressionnant, il manque cette patte Luc Besson. Même si Anna, on pourrait se dire, c'est un bon thriller d'espionnage, il manque cette patte Luc Besson, et ça fait qu'Anna est un bordel sans nom. Tous ces films, aujourd'hui, à Luc Besson, il leur manque ce qui faisait la saveur de ses longs-métrages dans les années 80 et 90. Il manque ce petit plus. Ce petit élément cinématographique qu'on va retenir, où on va se dire wow, « Waouh, ça c'est un film qui sort de l'ordinaire !» Et Nikita a totalement ça. Nikita a totalement ça parce que, rien que par la présence d'Anne Parillo, comme je l'évoquais au début, Anne Parillo a quelque chose à l'écran. Lorsqu'elle arrive dans un plan, on se dit tout de suite qu'il va se passer une alchimie entre Luc Besson et entre Anne Parillo. On se dit tout de suite que la caméra va capter quelque chose chez l'actrice que peu de metteurs en scène sont capables de capter. Parce que Luc Besson, c'est bon de le rappeler, et Nikita en est l'une des plus belles démonstrations, Luc Besson a toujours été un cinéaste qui sait particulièrement bien filmer les femmes, et qui sait particulièrement bien jouer avec
un aspect un peu badass qu'elles vont avoir. C'est quand même, mine de rien, l'un des premiers cinéastes, on peut le dire, du monde entier, à créer des vraies héroïnes de films d'action. Vous regardez Nikita, c'est clairement un monument et un peu une anomalie, franchement, pour l'époque, parce que faire un film d'espionnage porté par une femme, citément plusieurs qui soient sortis avant le début des années 2000, il n'y en a pas tant que ça. Et Luc Besson a réussi à en faire un. Et moi, je trouve ça culotté, mine de rien. Tout le film a ce petit truc un peu culotté. On sent dès le premier plan et dès la première séquence, dès cette fameuse tuerie, qu'il y a quelque chose de particulier dans le film. Qu'il y a une ambiance et qu'il y a une envie de vouloir aller dans une direction où ça va être très radical. Et c'est ça finalement qui porte Nikita. Qui fait que nous, en tant que spectateurs, on regarde ça sans jamais simplement voir un énième film d'action. Mais en voyant un film d'action qui a une gueule, qui a une ambiance et qui a un rapport particulier avec justement ce genre, qui est pourtant si compliqué et si difficile à faire entrer dans la case d'un cinéma féminin. Mais à l'époque, Luc Besson a réussi à le faire, et c'est important de le rappeler, il l'a bien fait. Pour ce qui est du Blu-ray, il y a quelques petits trucs. Il y a genre la remise du César de la meilleure actrice pour Anne Parillo, qui mine de rien l'avait largement mérité à l'époque. Et après, il y a quelques bandes annonces. C'est dommage, il n'y a pas de making-of, je suis un peu déçu, parce que je pense que le making-of de ce film, il doit être assez fascinant à regarder, parce que vu le long métrage que c'est, ça a dû être, je pense, génial à tourner. Et vraiment, s'il y a un making-of qui existe quelque part, il doit être absolument... impressionnant. Mais ouais, c'est dommage parce que, bah, j'avais déjà dit sur les précédents, mais Gaumont, ils sont un peu radins en termes de bonus sur leur Blu-ray. Enfin, en tout cas, si vous avez jamais vu Nikita, regardez-le. Parce que pour le coup, c'est vraiment, vraiment une tuerie dans le genre. Et encore une fois, c'est pas l'un des meilleurs Luc Besson de cette période-là, mais il a quelque chose. Il a un petit cachet, il a une ambiance, il a un rapport particulier avec le genre, et tout ça, ça suffit à rendre le film super entraînant. Et encore une fois, Anne Parillo est splendide dans ce film. Donc regardez Nikita, vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 30 de Coin du Bourré. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez Nikita. Et si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'était quand même un pari assez audacieux à l'époque. Parce que mine de rien, encore une fois, je dis des choses, mais peut-être que vous ne pensez pas la même chose. Et le débat est important. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.